Nous sommes des plongeurs qui avons l'habitude de nous entraîner au lac Léman, en plongée, et depuis des années, nous entendions parler de mystérieuses munitions qui avaient été immergées. Nous avons effectué plusieurs plongées. Lors de la dernière, nous sommes descendus dans une zone entre 45 et 55 mètres. Nous étions trois plongeurs, nous avions une visibilité de 80 mètres. Ce que nous avons découvert ne correspondait pas à la réalité qui avait été décrite par les autorités et la Confédération helvétique. Des caisses de munitions, il y en avait, beaucoup, et elles n'étaient pas sous des sédiments, mais vraiment en surface. Elles étaient éventrées pour la plupart. Ça a été très facile d'identifier des obus et des bombes en tout genre. Les inquiétudes que nous avons sont basées sur le fait de la présence d'un point de captage d'eau potable à proximité, ainsi que d'un gazoduc. Nous ne savons pas dans quel état de conservation les munitions sont.